qui me tracasse, mais je déclare Jésus, 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 tu es au-dessus. Chantere rosa. Oh, je crie encore Jésus. Miriri santere reche. Maroso torobosha. Toi dont la voix fait enfanter la biche. Caroso torobosha. Ah, tu satures ce lieu de ta présence. Nous crions Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous t'élevons, roi des rois. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous t'élevons, mon Dieu, nous t'élevons. Jésus, 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 tu es Jésus, 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 tu es acclamé, tu es acclamé, au-dessus de tout, tu es acclamé, tu es acclamé, au-dessus de tout. Nous t'acclamons, tu es acclamé. Nous t'acclamons pour ta victoire. Au-dessus de tout. Nous t'acclamons pour ta victoire. Tu es acclamé. Nous t'acclamons pour ton triomphe. Au-dessus de tout. Nous t'acclamons pour ta puissance. Tu es acclamé. Nous t'acclamons pour ta victoire. Au-dessus de tout. Nous t'acclamons, Dieu très haut. Tu es acclamé. Nous t'acclamons, Dieu de victoire. Nous t'acclamons, tu es acclamé. Nous t'acclamons, au-dessus de tout. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es acclamé. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu, au-dessus de tout. Parce que tu as vaincu. Tu es acclamé. Tu es le victorieux. Au-dessus de tout. C'est toi qui triomphe. Tu es acclamé. Tu triomphes au milieu des nations. Triomphe de toutes sortes de problèmes. Tu es acclamé. Tu triomphes des maladies. Au-dessus de tout. Tu triomphes des situations. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Nous t'acclamons. Au-dessus de tout. Nous célébrons ta victoire. Tu es acclamé. À la croix tu as vaincu. Au-dessus de tout. À la croix tu as vaincu. Tu es acclamé. Nous t'acclamons pour la victoire. Obtenu à la croix. Tu es acclamé. Nous t'acclamons pour ta victoire. Au-dessus de tout. Par ta résurrection. Tu es acclamé. Aucune puissance de l'ennemi. Au-dessus de tout. Ne peut résister à ta gloire. Tu es acclamé.
insatiable. Ne peut résister à ta gloire. Ton peuple est assemblé. T'acclamer, t'acclamer. Célébrer ta victoire. Nous t'acclamons, toi qui as triomphé. Acclamer, acclamer. Au-dessus de tout. Acclamer, acclamer. Tu es acclamé. Acclamer, acclamer. Au-dessus de tout. Acclamer, acclamer. Tu es acclamé. Acclamer, acclamer. Au-dessus de tout. Acclamer, acclamer. Tu es acclamé. Acclamer, acclamer. Au-dessus de tout. Faisons cela au-dessus de tout. Quel que soit notre défi, nous acclamons Jésus au-dessus de ces défis. Acclamer, acclamer. Au-dessus de toutes nos difficultés. Au-dessus de toutes nos situations. Tu es acclamé. Au-dessus de nos limitations. Tu es acclamé. Acclamé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur? Oh, 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 oh. Au-dessus de tout. Yeah, 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 yeah. Tu es acclamé. Yo, 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 yo. Au-dessus de tout. Oh, 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 oh. Tu es acclamé. Oh, oh, oh. Au-dessus de tout. Yeah, 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 yeah. Tu es acclamé. Oh, au-dessus de tout. Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour cette soirée que tu nous donnes. Merci pour ce samedi des miracles. Merci pour cette soirée, cette occasion que tu nous as, que tu as créée pour déverser ta grâce et ta miséricorde, pour guérir les malades,
pour décanter les situations, Seigneur Dieu. Et ces jours-ci, tu nous parles de vaincre les situations opiniâtres. Seigneur, nous te rendons grâce, car c'est toi qui inspire ces programmes. Et c'est toi, Seigneur Dieu, qui viens et qui agit, qui honore ta parole. Dans ce programme, tu te souviens dans ta miséricorde de tes enfants. Tu te souviens de l'œuvre de la croix, du sang de Jésus. Et tu fais du bien à tes fils et à tes filles que nous sommes, Seigneur Dieu. Nous voilà devant toi en ce jour. Nous voilà devant toi, Seigneur Dieu, avec nos combats, nos défis. Parle-nous par ta parole. Envoie ta parole et guéris-nous. Envoie ta parole. La restauration se trouve dans ta parole. Mets le doigt sur les choses qui ne vont pas et montre-nous le chemin. Éclaire notre esprit. Ne nous laisse pas dans les ténèbres. Montre-nous la voie, Seigneur Dieu, afin que nous fassions ta volonté. Révèle-toi à nous. Équipe nos cœurs. Saint-Esprit, tu as toute la place. Saint-Esprit, nous te confions ces instants. Saint-Esprit, je me remets à toi. Je m'en remets à toi. Esprit du Seigneur, nous sommes à toi. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un très bon amen. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue. Amen. Demande-lui comment ça va. Comment ça va? Enfin, vous savez que ce chant, comment ça va? C'est la réponse que cette femme-là, dont l'enfant était mort, a donnée à son mari et puis au fils du prophète. On lui demande comment elle va. Elle a un décès. Elle vient de perdre son enfant. Et ce qu'elle confesse, c'est que ça va bien. Elle déclarait ça va bien parce qu'elle avait confiance en Jésus. Elle avait confiance en Dieu. Et son enfant est revenu à la vie. Son regard était sur le Seigneur. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va. Quels que soient les problèmes, ça, ça ne peut qu'aller bien. Ça va bien. Jésus est ici, ça, ça ne peut qu'aller bien. Ça va bien. Même si tu étais abattu, dis que ça va bien. Ça même va si bien. Tu étais attristé, ça va bien. Dis que ça va bien. Ça va bien. Appuie-toi sur Jésus, ça dis ça va bien. Ça va bien. Appuie-toi sur Jésus, ça confesse ça va bien. Ça va bien. Je dis comment ça va. Ça va. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Déclare ça va bien. Ça va bien. Au nom de Jésus. Ça va bien. Je dis comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Amen. Acclame encore le Seigneur. Dis-le avec la foi. Mets ta foi dans le Seigneur. Tu déclares que ça va bien parce que voilà, tu n'as rien d'autre, tu n'as personne d'autre si ce n'est Jésus. Alléluia. Et tu viens avec lui en disant ça va bien. Amen, amen, amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Aujourd'hui le culte est spécial parce que la plupart des frères et des sœurs sont de retour, un peu fatigués peut-être de Soukhot 2022. Qui est quelqu'un qui était à Soukhot fait une acclamation. Alléluia. Mes filles, vous êtes fraîches, vous êtes fraîches. On dirait même vous n'êtes pas à Soukhot. Hein? Oh, on était tous à Soukhot. Amen. Gloire à Jésus. On a eu un extraordinaire camp. Je crois que ceux qui ne sont pas partis, ils ont envie de pleurer. Amen. Hein? Je vois Olivier, il veut pleurer. Il était chef de sécurité, mais il était ici. Yako. En tout cas, on a eu un extraordinaire camp. Un camp des boss. Jésus était vraiment présent. C'était comment? Une parole qui nous a restaurés, renouvelés, fortifiés. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a certains messages même qu'on a reçus là-bas. Je vais faire passer ça. Amen. On va écouter ça. Il faut que tout le monde l'écoute. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, Pasteur Sophie est venu me dire, non, Pasteur, la partie sur la raison. Tout le monde doit écouter ça. Je dis, bon, d'accord, on va. Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, il y a trouvé l'occasion. On va s'asseoir. Nous tous, moi-même, j'ai écouté. On va tous écouter. Amen. Vous avez un moment, vous sentez que Dieu est descendu pour vous parler. Vous sentez que Dieu est descendu pour vous enseigner. Et que ce n'est pas un homme qui est en train de parler, mais c'est le Seigneur. Et quand le Seigneur parle, il donne la force, il donne la vigueur.
Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, comme je pensais que vous allez me suivre avec quelques images en même temps. Voilà, donc le camp s'est vraiment super bien passé. On avait peut-être quelques petites difficultés au début pour loger les personnes. Mets les images en plein. Tu peux me demander, pas la peine de me mettre médaillon. Voilà. Le programme s'est super bien passé. Quand quelque chose va bien se passer là, les débuts sont challengeants. Il y a eu plusieurs qui ont des difficultés de logement. Mais par la grâce de Dieu, parce qu'il y a eu tellement de monde. Le dimanche dernier, quand j'ai fait le point total, je demandais à l'équipe d'organisation, il y a combien de personnes inscrites pour Soukhot? On m'a dit 2800, à peu près 3000. Entre dimanche, depuis le démarrage lundi, on se retrouve à 5500. Donc, les gens ne sont pas vite inscrits. On veut les éliminer, pas les éliminer, mais les dire, bon, les gars, faut quand même qu'on s'organise. Hein, on ne peut pas venir la veille, trouver des chambres pour tout le monde. Ce n'est pas 300 personnes de plus. C'est près du double. Et c'est partout. Il y a une soeur qui m'a attrapé ici. Elle pleurait. Papa, je fermais, c'est pour dormir dehors. Je ne dois pas manquer sous corde, je ne dois pas manquer. J'ai dit, cette soif-là d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Et par la grâce de Dieu, ça a pu s'arranger. Tout le monde a pu être logé. On a essayé de faire au mieux. Je veux rendre grâce à Dieu pour le comité d'organisation. On était plus de 5500, plus de 5500 campeurs. Amen. Donc tu vois les images, tu vois la foule qui va jusqu'à là-bas. C'était vraiment impressionnant. Donc comme vous voyez, comme ça, on a pris la ville de Yamoussoukro. Donc ça veut dire que c'est des logements, c'est de la nourriture, c'est tout ça qu'il fallait organiser. Et Dieu a fait grâce. C'était vraiment glorieux. La présence de Dieu, les moments de louange, les temps de restauration spirituelle, la vigueur spirituelle, les moments de prière dans les kibbutz. Vraiment, on vient de quelque chose. Et Dieu nous a équipés pour la grande moisson, pour prêcher la parole de Dieu, pour manifester l'amour de Jésus. Nous voulons lui dire merci pour ce camp sous côte, et en même temps on te demande pour que toi aussi tu t'inscrives pour les années qui viennent. Tu dis ça, la prochaine fois je suis absolument dans ce programme. Amen. Le camp sous côte, il est réservé à ceux qui sont des boss. Ce qu'on appelle les boss à face d'honneur, ce sont les bons ouvriers au service du Seigneur. C'est-à-dire c'est ceux qui servent dans des départements, qui travaillent dans la vision. Donc c'est le camp où on vient s'équiper, se ressourcer pour pouvoir atteindre les objectifs du Seigneur. Où on vient se remettre en cause, toucher ce qui ne va pas et chercher la face de Dieu pour pouvoir mieux servir le Seigneur les années qui viennent. Amen. Donc je t'invite vivement à servir Dieu, à ne pas venir au culte seulement samedi et dimanche pour écouter la parole. Toi aussi, il faut servir Jésus. Amen. Rentre dans un département, travaille dans un groupe. C'est ce qui est agréable à Dieu. Tu ne peux pas venir seulement profiter de la parole, de la prière des pasteurs et puis ne rien faire pour Dieu. Ne poser aucun acte pour Dieu. Quand tu vois la salle est disposée comme ça, tu vois ces personnes qu'on appelle les chantres, ils ont fait des répétitions, c'est du travail. C'est du travail, ils ont travaillé. Il y a des gens qui sont venus qui ont nettoyé la salle. Il y en a d'autres qui placent les chaises. Il y a certains qui sont là qui permettent à ce qu'on soit suivi sur Internet. La plupart étaient tous à Sukkot. On a tous veillé. Ils ont tous pris l'écart. Et le soir, ils sont là debout. Ils sont venus avant tout le monde placer les caméras, placer tout ça. Et toi, tu viens aussi, tu fais ton culte. Il faut que tu sois au service de Dieu. Amen. Il faut que toi aussi, tu serves Dieu, que tu ne sois pas simplement quelqu'un qui reçoit, mais tu sois aussi quelqu'un qui donne. Donner, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement des offrandes, mais c'est aussi donner de son temps, c'est aussi donner de ses mains, c'est aussi donner de son corps au service du Seigneur. Que Dieu suscite des boss pour son royaume ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu voulais jouer l'hymne là? De Soukhot? Vous pouvez, c'est bon? Parce qu'il y a beaucoup d'instruments là-dedans, on peut le faire. Bon, si vous voulez, on y va. Juste un aperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Alors, avant de prier pour les malades ce soir à Samedi des Miracles, je voulais te communiquer la parole pour que tu aies la foi et que tu reçoives aujourd'hui ta visitation divine. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors déjà depuis quelques samedis, le Seigneur me donne de parler avec vous, de vaincre les situations opiniâtre. Alors la particularité du samedi des miracles, c'est que en préparant ce moment, Dieu me donne un thème. Il me dit, opère dans ce domaine-là. Et je vous parle du sujet et la parole qui vient est censée créer dans votre cœur la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout problème est solvable, peut se résoudre par la foi. Amen. Quand Jésus a prié pour, quand Jésus guérissait des malades ou décantait des situations, il avait cette expression-là, ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Donc la parole que tu entends vient te donner la foi. Amen. Pour traiter ce problème-là spécifiquement. Et donc depuis déjà trois samedis, l'Esprit de Dieu m'a orienté à prier contre les situations, les maladies, les problèmes opiniâtres. Un problème opiniâtre est un problème qui est collé à toi. C'est une maladie qui ne te lâche pas depuis longtemps. Si c'est un problème opinial n'est pas forcément une maladie, mais si c'est une maladie, c'est une maladie qui est collée à toi. Ça peut être une situation, pas forcément une maladie. Quand une pauvreté est chronique, malgré tout ce que tu fais, on peut dire de cette pauvreté-là qu'elle est opiniâtre. Quand un blocage ne quitte pas ta vie, il est collé à toi, comme du chewing-gum qui ne te quitte pas malgré tes efforts, on va dire que ce problème-là est opiniâtre. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que c'est un problème qui persiste, qui ne te lâche pas. Même quand tu fais des efforts, il te quitte un moment et puis après, il finit par revenir. Amen. Et depuis déjà quelques semaines, on a commencé à prier par rapport à cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous déjà qui a eu des effets, qui, les samedis précédents, a senti sa guérison, a senti sa visitation? Si tu es, Dieu t'a béni précédemment, lève la main, dis merci à Jésus. Qui a déjà été béni par ces paroles? On a la maman qui est là, samedi dernier, il y a des gens qui ont marché. Il y a plusieurs qui ont été guéris. Ceux qui ont été guéris, levez la main, dites merci à Jésus. Amen. Voilà. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à toi qui as été guéri, dis à ta voisine, aujourd'hui c'est ton tour. Hein. C'est pour toi aussi. Amen, amen. Donc Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus opère, Jésus est vivant. Et Dieu envoie une parole donnée pour créer une guérison donnée. Et si Dieu nous demande de prier pour les situations opiniâtres, c'est qu'il faut que tu sois conscient que ce qui t'a fatigué depuis des années va s'arrêter maintenant. Dis avec moi maintenant. 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 Il en est ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et samedi après samedi, je prends des points pour créer la foi dont nous avons besoin. Amen, amen. Alors, premièrement, je te dis que quand tu es confronté à une situation qui te fatigue depuis des années, je me suis appuyé sur
le témoignage de cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La maladie ne la quittait pas depuis 12 ans. Elle a vu les médecins pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'ils avaient tous échoué. Et la maladie de la dame s'était allée en s'amplifiant. Et la Bible dit que cette femme-là, malgré sa situation, elle s'est dit en elle-même, si je touche Jésus, je serai guéri. Quand tu es confronté à une situation, un problème, que ce soit une maladie ou pas, mais qui ne veut pas te lâcher, n'arrête pas de dire dans ton cœur si Jésus est plus grand que ce mal. Jésus est plus grand que ce mal. Parce que souvent, lorsqu'on a connu trop d'échecs, on finit par se dire, mais est-ce que Dieu même veut que je m'en sorte? Si tu laisses la défaite entrer dans tes pensées, la maladie va s'installer longtemps. Amen. Si ton corps est malade, c'est une chose, mais ton esprit ne doit pas l'être. Ta pensée de victoire, il ne faut pas dire, je vais mourir de cette maladie, je vais mourir de cela. Non, si tu dis, je vais mourir de cela, c'est ce qui va se produire. Ce que tu dois dire en toi, c'est que malgré cela, mon Dieu est vivant, je vivrai, je m'en sortirai, j'aurai la victoire, rien ne m'arrêtera. Même si aujourd'hui j'ai mal, ça va s'arrêter. Amen. La dame l'a souffert pendant 12 ans, mais dans son cœur, elle avait toujours l'espoir. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est cette première manière-là dont on arrive à triompher des situations opiniâtres. Alléluia. La deuxième façon dont on le fait, la deuxième manière, je vous ai parlé de la situation opiniâtre de Pharaon. Pharaon, c'est l'exemple du diable qui tenait attaché les Israélites en esclavage en Égypte. Chaque fois que Moïse venait, il dit, Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon disait oui, et puis après il les maintenait. Laisse aller mon peuple, c'est comme ça. On prie quelquefois contre des démons. On les chasse au nom de Jésus. Esprit de mal de ventre, esprit de ceci ou de cela. Tu sens que l'esprit est parti. Tu as une victoire et un programme. Et quelques temps après, l'esprit vient te saisir à nouveau et la maladie revient. C'est un problème opiniâtre, type pharaon. Et je vous ai dit que qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse déclarait les paroles sur la base d'une chose que Dieu lui disait de dire. On a remarqué que chaque fois que Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, Dieu disait à Moïse, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Une situation est opiniâtre dans ta vie parce que tu veux être seulement délivré du problème, mais tu ne veux pas servir Dieu après ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as mal à ton corps, il ne faut pas être là seulement pour dire, Jésus, guéris-moi. Non. Tu dois dire aussi, guéris-moi afin que je te serve. Amen. Délivre-moi afin que je te serve. Tu dois comprendre que Satan te bloque avec un problème opiniâtre parce qu'il a peur que tu serves Dieu. Pas parce qu'il a peur de ta bonne santé. Si tu es en bonne santé puis tu continues de pécher, ça ne fait rien à Satan. Ok? Si tu es en bonne santé, tu continues, Dieu n'a aucun intérêt de te guérir. Le problème va donc persister. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta guérison. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire de ta bonne santé. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire lorsque ta situation sociale, financière ira bien. Tu dois dire, Jésus, sors-moi de la pauvreté, je veux te servir. Jésus, sors-moi de cette situation, je veux te servir. Quelqu'un donne un bon amen. C'était la deuxième manière là. La troisième, c'est être soi-même opiniâtre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sens pas vous, amen. Vous avez des visages. André, vous avez veillé comme moi. Amen. Moi, j'ai veillé, mais je suis tranquille. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est être soi-même opiniâtre. C'est-à-dire que quand une situation opiniâtre, il faut, comme cette femme syrophénicienne, il faut, le problème t'attaque. Toi, si tu l'attaques, vous ne vous laissez pas. Et tu es sur lui. Tu es devant Dieu et tu restes. Toi-même, tu es opiniâtre. C'est-à-dire que le problème même doit signer forfait. Parce qu'il voit que tu ne lâches rien. Tu es déterminé. Et la quatrième raison, c'est celle avec laquelle je vais finir aujourd'hui. La quatrième manière, celle avec laquelle on va terminer aujourd'hui. On va prier sur cette base. Quelqu'un donne un bon amen. Mais cette chose que je partage avec toi, tu peux les utiliser dans tous les cas de ta vie. Ce sont des messages sur la foi. C'est une façon d'aborder la foi dans le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La troisième manière, c'est d'avoir un esprit qui est fort, qui n'est pas fatigué. Amen. Dans toutes les fois, la chose que j'ai expliquée, il y a
le premier cas, la première manière de vaincre, la deuxième manière de vaincre, la troisième manière, il y a une chose qui revient, c'est que ce soit dans la première façon, dans la deuxième, ces personnes-là ou bien ces méthodes-là avaient de l'espoir. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Dis avec moi l'espérance. Amen. C'est-à-dire, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, dans son cœur, elle s'imaginait, elle rêvait, elle continuait d'espérer que Jésus-Christ allait intervenir, que Dieu pouvait faire quelque chose. Ça s'appelle de l'espoir. L'espoir, c'est une chose qui n'est pas encore arrivée, mais on s'attend à ce qu'elle arrive. L'espoir, ce sont des attentes. L'espoir, c'est une forme de souhait, mais un souhait qui n'est pas un rêve. Un souhait, on se dit, ça va arriver, ça va se faire. L'espoir. Amen. Si la pauvreté est opiniâtre, tu dois rêver, tu dois espérer qu'avec Dieu, par la grâce du Seigneur, tu t'en sortiras. C'est ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir est un ingrédient important de la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, dans la présentation de la foi, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, pour avoir la foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui produit la guérison, pour avoir la foi, il faut de l'espérance. Le problème avec les maladies opiniâtres, c'est que quand elles persistent dans le temps, elles attaquent même tes espoirs. C'est-à-dire, l'espérance même, ton espoir, tes rêves, à un moment donné, sont vaincus, sont brisés, tu n'as plus d'espoir. Mais Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Il restaure tes espérances. Il restaure ta foi. Perdre l'espoir, c'est une forme de grand découragement. Il y a toujours une, si tu vis, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Mais à certains, leur lueur d'espoir est tellement faible. Ce sont des personnes qui pensent plus à la défaite qu'à la victoire. Ce sont des personnes, lorsqu'ils pensent futur, en fait, ils ne voient même plus le futur. Ils n'ont plus de rêve. Ce sont des gens qui vivent pour survivre. Quand tu n'as plus d'espoir, la Bible appelle ça, la Bible dit que tu as un esprit abattu. Alléluia. Tu as un esprit abattu. Que Dieu relève ton esprit dans le nom de Jésus. Que Dieu relève ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira. Je viens dire à quelqu'un, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous. Dieu aime ses enfants, Dieu aime, il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé,
toi et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, quand tu te sens abandonné, quand tu as l'impression qu'on t'a recaché, il faut regarder vers Dieu. Crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de la souffrance. Faut que tu saches que ton Dieu t'aime. Dieu aime ses enfants. Que tu saches que ton Dieu t'aime. Il les délivre de la souffrance. Faut que tu saches que Jésus t'aime. Dieu aime ses enfants. Même si tu pleures, sache que Jésus t'aime. Il les délivre de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de la souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Jésus. Alors, un problème demeure va rester opiniâtre quand tu n'as plus d'espoir. C'est-à-dire, tu n'as même pas l'espoir. Donc, quand tu n'as pas l'espoir, il t'est difficile de faire un peu comme cette femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans. Parce que toi-même, à l'intérieur de toi, tu n'as plus confiance en toi. Tu n'as plus confiance. Tu es déstabilisé dans tes fondements. Ce soir, l'Esprit m'envoie parler à ceux qui sont déstabilisés intérieurement. Ce soir, l'Esprit m'envoie te dire que Dieu t'aime et qu'il va te donner la force et la vigueur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 18, pour montrer combien de fois c'est important, il dit ceci. L'Esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit qui est abattu, il est difficile de relever la personne. Amen. Dieu ne dit pas que tu ne peux pas tomber malade. Mais s'il arrive que tu es malade, ton esprit doit te donner l'espoir. Mais si lui-même, il est fatigué, abattu, ça veut dire fatigué. Si lui-même, il est fatigué, et ça arrive qu'on soit fatigué, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, son esprit aurait pu être fatigué. Parce que tu as essayé tellement de médecins, de docteurs, tu es parti de médecin en médecin et rien n'a fonctionné. Ton esprit peut être fatigué. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit donc un esprit abattu qui le relèvera. Proverbes chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et ça m'intéresse vraiment. Dessèche les eaux. Dis avec moi, dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Que Dieu ranime tes eaux aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, l'homme de Dieu vit une expérience assez particulière de prophétie. Je vais aller d'abord au verset 11. Et puis après, je vais expliquer le contexte. Il est dit, 37, 11, il me dit, fils de l'homme, lisons ensemble. Il me dit, on va reprendre, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent,
Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Prends un peu de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Amen. Amen. Et le piano. Quand on dit Amen, tout le monde faut dire Amen aussi. Amen. 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 Dieu va te faire sortir de tes sépulcres. Dieu est celui qui te donne la victoire. Quelqu'un donne un bon Amen. Prophétise donc et dis-leur ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Alors de quoi il s'agit? Tu as remarqué qu'il parle des eaux desséchées. Amen. Il dit ceci, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Amen. C'est ce dont je te parlais tantôt. La Bible dit, un cœur joyeux éteint rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Alors, dans ce passage d'Ézéchiel, chapitre 37, et c'est là-dessus que je m'ai appuyé. Ce soir-là, l'esprit est sur moi pour prophétiser sur ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. L'esprit est sur moi pour prophétiser sur ta vie. Pour déclarer sur ta vie. Reçois ces prophéties-là dans le nom de Jésus. La seule chose que tu as à faire, c'est de recevoir la prophétie. C'est de recevoir la déclaration de Dieu. Amen. Amen. Verset 12, il dit donc, prophétise donc et dis le récit par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Dieu déclare sur ta vie. Il va te faire sortir de la tristesse. Là où on t'a enterré, là où le monde a dit que c'est terminé. Tu vois, quand on dit sépulcre, là, le sépulcre c'est le tombeau. C'est-à-dire c'est le moment où, le jour où tu as été enterré. C'est-à-dire le jour où tu as perdu ta force. Le jour où tu n'avais plus d'espoir. Le jour où tu t'es dit c'est fini pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui me suivent en ligne, qui sont comme quelque part dans un tombeau. Vous savez, Dieu dit, il dit dans ce passage, les fils d'Israël disent, nous on est comme dans un tombeau. En fait, physiquement ils étaient vivants, mais ils n'avaient plus d'espoir. Quand on n'a plus d'espoir, c'est ce qu'on appelle les eaux desséchées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on appelle les eaux desséchées? Il dit, le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans votre terre. Je déclare dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je l'annonce dans le nom de Jésus. Dieu te fait sortir de tes sépulcres. Dieu te fait sortir là où on t'a enterré. Là où les échecs à répétition t'ont enterré. Là où les échecs à répétition t'ont enterré. Le bras puissant de Dieu arrive et te fait sortir de là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si Dieu m'a dit aborde ce sujet, c'est parce qu'il m'a dit de prophétiser. Quelle est la solution lorsque l'Esprit a battu? C'est de recevoir les prophéties de Dieu. C'est d'accepter la prophétie. C'est de dire, si Dieu a oué son serviteur pour parler de la sorte, c'est que quelque chose va se passer. Toi-même, tu n'as plus d'espoir. Mais Dieu dit, va dire au peuple, prophétise. Et dis-leur, je vais vous faire sortir de là. Ton Dieu va te guérir. Ton Dieu te restaure. Ton Dieu te change. Ton Dieu te transforme. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alors l'histoire c'est quoi? Pourquoi c'est une affaire de prophétie? En fait, tout commence au verset, au chapitre, au verset 1 pratiquement. Il est dit, eh bien, je ne vais pas aller... La main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Donc Dieu a saisi le prophète et Dieu l'a fait visiter
un endroit où il y avait beaucoup d'ossements séchés. C'est quand on arrive plus loin, on comprend que c'était le peuple de Dieu. Ce n'était pas des gens morts dans la pratique. Parce que Dieu l'a dit, il faut parler aux Israélites. C'était des gens, ils vivaient, ils partaient au marché, mais ils étaient devenus des ossements desséchés. C'est-à-dire des gens sans rêve, des personnes, bon, si la mort veut la main encore. C'est-à-dire en fait, la vie n'avait plus de goût, la vie n'avait plus de sens, la vie n'avait plus d'orientation. Donc Dieu l'amène et puis il regarde un peu comme ça. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a amené en esprit et il m'a montré beaucoup de gens à l'église, beaucoup de gens qui sont des ossements desséchés. Il dit, ils viennent à l'église parce qu'ils sont toujours venus à l'église. Il y a des gens par rapport à leur famille, par rapport à leur foyer, ils sont en mode ossement desséché. Leur mariage est ossement desséché. Leur vie professionnelle est ossement desséché. L'esprit a battu sur le plan social, professionnel. Mais je viens te dire de la part de Dieu, le jour de ta résurrection est arrivé. Le jour de ta résurrection est arrivé au nom de Jésus. Et au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ce soir, l'Esprit m'a envoyé pour prophétiser sur les eaux, sur ton désespoir. C'est pourquoi ce que je te demande, reçois seulement la prophétie. Reçois la prophétie. Au nom de Jésus. Amen. N'ainsi pas le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et ses eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors on va se lever, on va attendre la parole de Dieu. Seigneur, mes espoirs sont sur toi. Ma foi est sur toi. Ma grâce est sur toi. Et je vais déclarer par la parole de l'Éternel. Brahim da sorobara la clariandabra. Les chants mettez-vous en place. Brahide serebara la clariandabra dase. Rokatariandabra da sorobara la katarababra. Rababra da sloriandabra da sloriandabra. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, mes espoirs sont sur toi. Mon cœur est sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi maintenant. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Brenda serebara la glorianda baba serebara la glorianda bro. Roba katara babra da soro bara la glorianda brada glorianda baba se. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'en pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi.
m'attardons à toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Jésus, Jésus, nos yeux sont sur toi. Mes yeux sont, mes yeux sont sur, sur toi, Jésus. Le sujet opiniâtre peut ne pas être la santé. Ça peut être que tes os sont desséchés par rapport à certains rêves, à certains projets que Dieu a dit qu'il allait réaliser avec toi. Par rapport à des choses que tu voulais voir Dieu faire. Mais depuis les années, elles ne se manifestent pas. Ce n'est pas que tu es malade. Ce n'est pas que physiquement tu as un problème. Mais tes attentes sont déçues. Tes rêves sont paralysés. Ton esprit est abattu.
prophétie était parle aux eaux. Parle aux eaux. Mais d'abord, il y avait la disposition. Dieu a demandé au prophète, voilà des ossements desséchés. Ça veut dire, voici des hommes et des femmes abattus. Voici des femmes et des hommes qui n'ont plus d'attente, qui n'ont plus d'espoir. Dans la vie, la vie a vraiment ravagé. Peut-être dans tous les aspects ou dans des domaines spécifiques. Il y a certains qui sont sur le plan des affaires, ils ne sont pas ossements desséchés. Mais dans leur famille, dans leur couple, ils sont ossements desséchés. Pour leur vie de mariage, ils sont ossements desséchés. Dernièrement, Dieu nous a fait grâce, on a vu, on a eu un moment ici. Très âgé. Normalement, quand tu la vois, elle ne pouvait plus espérer entrer dans le mariage. Elle n'a plus l'âge pour donner des enfants. C'est-à-dire, normalement, en matière de mariage, elle devait être au sommet desséchée. Mais Dieu est venu. Il a déclaré sur sa vie. Et des choses qu'il avait dites depuis des années. Alléluia. Amen. Attends, bon, normalement, maintenant, il doit venir dans son tour.
témoigne avec son mari. Hein? Tout le monde la connaît. Maman Zélie. Amen. Alléluia. Comment, dans son âge, Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné mariage. Sa vie conjugale a été très difficile. C'est ce qu'on appelle haussement desséché. Elle a passé la soixantaine, une femme. Mais elle a continué de servir son Dieu, simplement. Mais les choses que Dieu lui avait dites, parce que la vie vient de la parole. Vous savez, quand Dieu vient, puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, quand des ossements sont desséchés, c'est difficile même d'avoir l'espoir, parce que l'esprit est fatigué. Et cette maman-là, elle s'est simplement attachée à la prophétie. Et dans le domaine du mariage, parce que c'était sa foi, ça allait. Elle servait le Seigneur, elle aimait Jésus. Amen. Dans d'autres domaines, elle n'était pas desséchée. Mais pour ce qui est du mariage, pour ce qui est de la joie de vivre en couple, tu pourrais dire, bon, ça maintenant c'est pour les jeunes. Elle a aidé d'autres personnes à se marier, elle a organisé tout ça. Mais Dieu a déclaré sur sa vie. Et ça s'est fait. Peut-être qu'il y a des ossements desséchés sur le plan professionnel. Certains sont ossements desséchés sur le plan social. Mais que tes yeux soient sur le Seigneur. Et la prophétie, elle est vivante. Pourquoi? Il faut savoir que notre prophétie s'appuie sur la victoire du Christ. Jésus-Christ est mort. Je ne profite pas parce que c'est un avis personnel, mais parce que Christ est mort pour que nous ayons la vie. Et je peux m'appuyer sur la victoire du sang de Jésus et déclarer que ce problème-là, tu ne mourras pas avec ça. Que tu vas voir. Hier, un frère est passé me voir. Toutes ses économies, pendant qu'il travaillait, il a pris toutes ses économies, puis il a construit un immeuble. Il a construit l'immeuble. Et des gens, par la méchanceté, sont venus comme ça, ils ont cassé tout. Même s'il a raison, ils ont cassé déjà. Quel jeu volé du dommage. Vous voyez, il y a des trucs, quand toute ta vie, tu as fait des économies, et puis maintenant, tu commences à faire tes placements. Tu te dis, bon, je vais construire un immeuble, je vais louer deux ou trois pièces, et puis ça va me donner un salaire. Pendant ce temps, je vais prendre soin. Moi-même, j'habite d'un côté. Et puis comme ça, des sorciers, ils apparaissent et cassent. Maintenant, après, on dit, mais dis-moi pourquoi casser. Bon, tu sais que même, j'en sais rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'explication. Et vous voyez des choses comme ça là, qui dessèchent vos os. C'est-à-dire que tu ne sais plus par quel chemin tu vas pouvoir t'en sortir encore. C'est 20 ans, 30 ans d'économie qui s'en vont comme ça. Ça produit des ossements desséchés. Mais je lui ai dit, le Dieu que tu invoques n'a pas dit son dernier mot. La substance de la force, ce que tes expériences, tes années t'ont donné, peut partir. Mais Dieu est vivant. Et je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous invoquons, il est vivant. Quand il n'y a plus d'espoir, quand tout est balayé, Dieu est vivant. Et je déclare maintenant sur ta vie, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta famille, je déclare sur tes affaires, au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, Jésus qui a vaincu la mort, que les eaux se remettent en place. Que la puissance de Dieu commence à opérer dans ta vie. Et que tout ce qui a été détruit se remette en place à compter de cette déclaration. Je prophétise sur ta santé. Là où tu n'as plus d'espoir, que les ossements se remettent en place. Que tout ce que le temps, le diable a réduit à néant, a brisé, soit reconstitué au nom de Jésus. J'appelle la patience, la puissance. La puissance de Dieu descend en toi. La main de Dieu descend en toi. Et ton esprit qui a été brisé, réduit à néant, est restauré. Restauré. Le psaume 23 dit, il restaure les âmes. Il te restaure maintenant. J'appelle la restauration de ton esprit. J'appelle la restauration de ton esprit. Ton esprit est abattu, j'appelle la restauration. Maintenant, 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 maintenant.
Je vois dans mon esprit comme un ange qui vient et je te vois à terre. Je te vois couché. Et je vois un ange qui arrive vers toi, qui te prend, qui te dit, ma fille, c'est fini. Relève-toi. Tu dis, relève-toi. 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 Les jours qui arrivent ne seront plus comme les jours passés. Je réécris ta vie. Je réécris ton histoire. Je remets la situation en place. Ainsi dit Dieu, je déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus. Si c'est ta santé qui est devenue au sommet des séchés, je vois un ange, je vois comme un ange qui arrive vers toi, qui te prend par la main, qui te prend par la main, qui te dit, tu ne finiras pas comme ça. Tu n'es pas un tombeau, tu n'es pas un sépulcre. La vigueur revient. La puissance de Dieu est en train de visiter plusieurs parmi nous. Et Dieu vient saisir les eaux brisées, les eaux asséchées, les eaux fatiguées. Là où il n'y avait plus d'espoir, la grâce et la puissance de Dieu arrivent en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le bras puissant de Dieu descend dans ta maison, descend dans ton foyer. Je vois l'ange de Dieu qui descend vers toi et qui te prend par la main, qui dit le temps de la restauration est arrivé. Le temps du relèvement est arrivé. Le temps du relèvement est arrivé. Reba, reba, ve. Le maïe, ma ke, ma reba, bres. Ata la brosse. Rakatari, en abrada, serre, maralako. Restauration divine. Le prophète dit, j'ai vu les ossements se rapprocher, Maintenant, tu es en train d'être guéri, tu es en train d'être guéri. Dans ton esprit. Ton esprit est en train d'être guéri par la puissance de la résurrection de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ta vigueur intérieure d'être restaurée, à ta force d'être restaurée, à tes rêves de recommencer. L'espoir renaît en toi. Un espoir qui s'appuie sur le Christ. Un espoir qui croit dans le Seigneur. Oui, tes économies peuvent avoir été détruites, mais Dieu est plus grand que tes économies. Il est celui qui en un claquement des doigts restaure tout ce que tu as perdu. Et je déclare sur ta vie, si tu es comme ce frère-là qui a perdu toutes ses économies, Dieu va faire une chose nouvelle pour toi. Tu gagneras dans la suite de ta vie. Mieux que tout ce que tu as gagné pendant 20 ans d'économie. Tu regarderas tes 20 années d'économie, tu diras, ah, heureusement même que ma maison a été cassée, sinon je n'aurais pas eu la foi de ce qui va se passer. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La main puissante de Dieu est sur toi. Le bras puissant de Dieu vient sur toi. La force de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur toi. Les eaux remettent en place. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Mets la main au milieu de la tête et lève l'autre main. L'esprit est en train d'agir, l'esprit est en train d'opérer. Saint-Esprit, les esprits sont guéris. La foi est restaurée en toi. La foi est restaurée. Dieu vient au secours de ta foi. Fais que tu saisisses ton miracle. La paix est restaurée en toi. La grâce est restaurée en toi. La vigueur est restaurée en toi. Au nom de Jésus. Ossement déchaissé, revivez. Un esprit vient en vous. L'Esprit Saint vient en toi. Ossement desséché, revivez. Revivez. Au nom de Jésus. Regarde, un esprit de vie rentre en toi. Un esprit de vie, l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit entre en toi. Il vient retrouver là où tu es abattu, là où tu es découragé, là où tu es plat et te restaure. Au nom de Jésus. J'appelle à la vie ce qui était mort. Reviens au nom de Jésus. Amen. Reviens au nom de Jésus. J'appelle à la vie ce qui est mort. J'appelle à la vie ce qui est mort. Lève-la. J'appelle à la vie ce qui est mort. Maintenant, revis. Vis. Au nom de Jésus. Reste.
Reda brada soro bara la clarianda brada ke. Robara bara bara la soro bara la ke romamo. Recatarianda brada se. Reba kataraba brada soro bara la clarianda brada se. Ma kataraba brada soro bara la clarianda brada so. Chokatarianda brada se remara la proboro loco. Reda brada soro bara la clarianda brada se remara la ke. Roma raba kataraba brada se remara la ka. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu te renouvelle. Reçois, 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 reçois. Maintenant, garde la main sur la tête, ne l'enlève pas. Garde la main et laisse la vie de Dieu entrer en toi. Laisse la vigueur entrer en toi. Laisse-la restaurer cette tonnette intérieure. Laisse-la, laisse. Au nom de Jésus. Ceux qui ont les papiers soulevés, là que je les lise. Au nom de Jésus. 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 Reba bradas lorianda brada kete rema bradas loca. Alla katarianda brada seremara la brosos. Gardez la main au milieu de la tête. Garde la main. Ne l'enlève pas. Ne l'enlève pas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant, tu revis. Tu revis. Tu revis. Tu revis. Tu revis. Tu revis. Il est ainsi maintenant. 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 Fais-le sortir. Maintenant. Amen. Viens, monsieur. Maintenant. Maintenant. Maman, je ne sais pas ce qui t'est passé, mais revis. Revis. La vigueur dans tes membres, dans ton corps, dans tout ton être, revis. Revis au nom de Jésus. Chéribara la gloria en abradaso. Brinda bradaso, rubara la clan. Runda bradas lorianda bradas lorianda bradas soro bara la kata raba bradas soro bara la clarianda bradas la. Tout mauvais esprit qui s'est installé dans ta vie est chassé. Je suis en train de m'attaquer à des esprits de folie, à un esprit de folie, à un esprit de folie, à un esprit de dépression. Maintenant il s'en va. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 il te guérit, il guérit tes os, il restaure tes os, ça veut dire il restaure ton être intérieur, il restaure ta force intérieure, il restaure ta vie. Tu es restauré, ma fille. Amène-la devant. Tu es restauré, 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 restauré. Restauré au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Restauré. 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 Au nom de Jésus. Restaurer, 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 restaurer. Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Restaurer, restaurer, restaurer. Restaurer. Moi, l'autre fille qui était là-bas, qui est tombée. Amenez-les, ceux qui sont là. Restaurer, restaurer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu rentre dans tes maladies, la substance même des maladies. La substance de ce qui te détruit, la cause profonde. Quand les eaux sont desséchées, les eaux c'est le fondement du mal, l'origine du mal, l'origine du problème. Le sang de Christ arrive là-bas.
la puissance de Dieu arrive dans l'origine de ton mal, de ce qui te fait pleurer, de ce qui te fait souffrir. Écoute la prophétie. Jésus est ta victoire. Jésus est ta victoire. Jésus est ton ancre de victoire. La prophétie qui a redonné la vie aux eaux, c'est une prophétie de Dieu. Et notre prophétie dans la nouvelle alliance, c'est que Christ est mort et nous nous sommes sauvés parce qu'il est mort. Jésus est mort afin que tu aies la vie. Jésus a donné sa vie afin que tu aies la vie. C'est pourquoi j'ordonne à l'esprit de la mort, tu n'as pas de raison d'être dans la vie de cette femme et de cet homme. Je t'ordonne, ses péchés lui sont pardonnés. Il m'a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Que vos péchés vous soient pardonnés. Que les actes que vous avez commis qui ont favorisé cette attaque de l'ennemi qui a desséché vos eaux intérieures, que le sang de Christ vous les fasse. Que la miséricorde de Dieu soit pour toi. Que le sang de Jésus te guérisse. Que tu sois pardonné de tes péchés. Que tu sois pardonné de tes péchés. Et que la grâce de Christ opère en toi maintenant. Que la miséricorde aille trouver le mal dans sa source. Et qu'à la source tu sois restauré. À la source tu sois guéri. À la source tu sois transformé. Je le prophétise sur ta vie. Je le déclare 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 sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième aspect de la prophétie, les eaux ont été rétablies. Il a dit, prophétise que les nerfs reviennent. Les nerfs, ça parle, dans le mot, ça parle aussi des veines, là où circule le sang. Donc ça traduit en fait les émotions, les sensations. Ce sont les nerfs qui transportent les sensations. Et l'esprit a prophétisé pour ramener les sensations, c'est-à-dire la joie d'espérer, la conviction intérieure que quelque chose de grand va se produire. Dieu a restauré les nerfs. Que ta joie soit restaurée. Que ta paix soit restaurée. Que ton bonheur soit restauré. Jésus a dit, ma paix, je vous la donne comme le monde ne la donne pas. En Christ, ce n'est pas parce que tu es bien que tu as la paix. C'est parce que tu as la paix que tu deviens bien. La paix précède le bonheur. Ce n'est pas le bonheur qui donne la paix, mais c'est la paix de Christ qui donne le bonheur. Je déclare que la paix de Dieu soit en toi. Que la paix de Christ soit sur toi. Que la paix que Jésus donne vienne dans ton être. Que tes nerfs soient restaurés. Quel que soit ce que tu as vécu, sens-toi en paix avec Christ. Quelle que soit ton histoire, que la paix de Dieu te ranime. Que la vie de Dieu, la vie de Dieu te ranime. Les nerfs poussent. J'appelle les nerfs. J'appelle la paix. J'appelle la joie intérieure. La tristesse te lâche. L'esprit d'angoisse, l'esprit de peur. Je vous ordonne dans le nom de Jésus. Esprit de peur du lendemain, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Et je te chasse au nom de Jésus. Esprit d'inquiétude, esprit de peur, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Maintenant, tu es délivré de ce démon de peur, de la peur de la mort. Esprit de mort, esprit de peur de mourir, sors de cette femme. Sors de cet homme. Sors de cet homme. Tu es habité par la peur de perdre ton foyer. Tu es habité par la peur de perdre. Mais Jésus-Christ est celui qui te donne l'espoir et qui vient maintenant. Ce démon de peur. Ce démon de peur. Quelque temps avant de te marier, quelqu'un t'a dit ton foyer ne résistera pas. Tu lui as dit non, mais cette voix-là te hante. Cette voix-là te hante et te paralyse. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je viens chasser ce démon. Le jour où la personne t'a parlé ainsi, elle t'a envoyé un démon de peur. Le démon est en train de te quitter. Maintenant, 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 maintenant. Je vois une autre femme dans son foyer. Ton foyer est en train de mourir parce que tu as un problème de frigidité. Tes nerfs, tes sensations, ta sensibilité et ton
père et frère, ton mari est un peu déçu. Et toi-même, ça te fait mal, tu en souffres. Mais la puissance de Dieu arrive. Et Dieu restaure tes nerfs. Dieu restaure tes nerfs. Cet esprit de froideur, cet esprit de froideur quitte ta vie. Cet esprit d'indifférence. C'est comme si la vie t'a tellement blessé, meurtri, que le sourire t'a quitté, la joie t'a quitté. Démon de tristesse, je t'ordonne, dans le nom de Jésus, quitte cet homme, quitte cette femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit d'angoisse, esprit de peur, esprit de tristesse, tu pars au nom de Jésus. Et j'appelle la paix dans ta vie. J'appelle la paix, qu'il en soit ainsi. Seigneur Dieu de toute paix, donne la paix. Maintenant, mets la main sur le cœur et reçois la paix qui vient du ciel. Reçois la paix de Dieu. Seigneur Jésus, donne à tes enfants la paix. Tu es rempli de la joie. C'est une joie que le monde ne peut pas donner. C'est une joie qu'on ne peut pas décrire. C'est Dieu même qui te la donne. Reçois la joie qui vient du ciel. Reçois la paix qui vient du ciel. Reçois-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le troisième aspect de la prophétie, c'était que la chair était en train de pousser. Il a appelé sur les nerfs venir la chair. Vous savez que la chair, en grande partie, c'est constitué de muscles. Ce sont les muscles. Les muscles, ça part de la force. Les muscles, ça part de la vigueur. Ça part du courage. Ça part de la force. Qu'aujourd'hui tes forces soient renouvelées. Qu'aujourd'hui tes forces soient restaurées. Qu'aujourd'hui tes forces soient renouvelées. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas ta force, mais c'est la force de Dieu en toi. Ce n'est pas par toi, mais c'est par sa puissance. Pendant ce cours, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour ne pas avoir un esprit abattu, il ne faut pas s'appuyer sur ses propres forces. Il faut s'appuyer sur celle de Christ. Pour ne pas avoir une âme triste, la vie de ce monde a toujours des sujets de tristesse. Mais ne compte pas sur tes expériences pour te donner de la joie. Compte sur la joie de Christ. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, si je suis dans la joie, ce n'est pas moi qui suis joyeux, c'est Jésus qui est joyeux en moi. Si j'aime, ce n'est pas moi qui aime, c'est Jésus qui aime par moi. Il était arrivé à un point où il avait compris que la joie qu'on tire de soi-même n'est pas suffisante. La paix qu'on tire par soi-même, c'est-à-dire toi-même tes expériences pour te donner la paix. Plus vous vivez longtemps, plus vos expériences vous disent que il ne faut pas être toujours joyeux. Tu ne peux pas t'appuyer sur les circonstances pour déterminer si tu seras en paix. Mais la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu ne dépend pas de ce qui t'est arrivé. Elle t'envahit. Elle t'irradie. La première fois que je l'ai rencontré, je venais d'échouer à un bac. Je venais d'échouer à mon bac. Et j'étais en train de prier. Et Dieu m'a rendu la paix. Je dis, ah, il y a un gars qui est dans l'échec. Comment il peut avoir... Je veux être la joie. Ce n'était pas pour me moquer de mon échec parce que je regrettais beaucoup. Je dis, mais comment j'ai fait? Comment j'ai raté ce bac-là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toute l'occasion d'être triste et je continuais à prier. Je dis, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je priais comme ça. Et puis, tout coup, la joie est rentrée en moi. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, ma joie, ma paix, je la donne comme le monde ne peut pas la donner. Vous, les hommes, ce sont des circonstances qui créent votre joie. S'il y a des bons événements, vous êtes joyeux. S'il y a des événements tristes, vous n'êtes plus joyeux. Ce genre de joie-là, vous ne pouvez pas la garder parce que les circonstances ne seront jamais toujours bonnes. Que ta joie ne dépende plus des circonstances, mais que ta joie vienne directement du ciel. Quelqu'un qui a la joie qui vient d'en haut, circonstances favorables, situations défavorables, tu as toujours la paix. Or, la paix précède l'intervention surnaturelle de Dieu. Ma fille, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu te donne sa paix. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Dieu te donne sa paix. Tu as des menaces dans ta vie, dans ton travail, mais tu as une paix intérieure qui est extraordinaire. Les gens sont sur le point de te faire perdre le travail. Tu es sur le point de perdre un marché, mais que la paix de Dieu entre en toi. On t'a annoncé que ton papa est très malade et qu'il est à l'attique de la mort, mais que la paix de Dieu, parce que si tu veux que Dieu le guérisse, il faut que la paix soit dans ton cœur. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Et la paix est la vigueur pour tes muscles. La paix est la vigueur pour ton corps. Reçois la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le quatrième aspect de cette prophétie, il dit la peau est revenue. C'est-à-dire, non seulement la vigueur, mais la peau est revenue. Alors, sur ces deux aspects, je m'appuie pour demander aux malades de recevoir leur guérison. La peau, c'est le corps. Ton corps est guéri. Il n'y a plus de malaise dans ton corps. Il n'y a plus de malaise dans ton corps. Relève-toi, tu es guéri.
Maintenant, je déclare parmi vous, si quelqu'un ne marchait pas, qu'il essaye de marcher maintenant. Marche. Si quelqu'un avait perdu la vue, regarde, tes yeux voient maintenant. Si quelqu'un était tourmenté d'un esprit de folie, la folie vient de partir. Tu entends la voix de Dieu, tu es libéré. Si quelqu'un était dans la confusion, tu n'es plus dans la confusion. Je le déclare dans le nom de Jésus. Redresse-toi et marche, toi qui ne marchais pas. Redressez-vous. Toi qui ne voyais pas, regarde, regarde, tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes ces cités disparaissent au nom de Jésus. Que toute malaise dans ton corps disparaisse au nom de Jésus. Que le mal de dos ne soit plus au nom de Jésus. Que la sciatique cesse au nom de Jésus. Mettez la main, vous tous qui avez mal quelque part à votre corps. Si tu as mal aux yeux, mets la main sur les yeux. Reçois ton miracle des yeux. Reçois ton miracle. Jésus, tu ouvres les yeux des aveugles. Jésus, tu fais marcher le paralytique. Jésus, tu es celui qui guérit les corps. Jésus, tu es celui qui libère nos corps. La Bible dit que quand le prophète a prophétisé, la chair est revenue. C'est-à-dire, la chair, c'est la vigueur, c'est la santé dans le corps. Recevez la guérison de votre corps. Reçois la guérison de ton corps. Reçois la guérison de ton corps. Reçois la guérison dans ton corps. Maintenant, 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 maintenant. Maladie, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Sors de cette femme. Sors de cet homme. Sors de cette vie. Au nom de Jésus. Mal des yeux. Mal de ventre. Mal de dos. Cancer de l'ovaire. Au nom de Jésus. Donnez-moi de l'huile. Les personnes, venez toucher un peu les personnes avec moi. Au nom de Jésus. Que l'infection s'éloigne de toi au nom de Jésus. Fibrome, tu es cassé, tu es ôté. Au nom de Jésus. Le fibrome disparaît au nom de Jésus. Que ta vue revienne au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a? Rétable psychomoteur et puis elle a des. Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Merci parce que tout le retard est rattrapé dans le nom de Jésus-Christ. Que la vigueur de Christ soit en toi. Et que ce Christ-là cesse à partir de maintenant. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que ta croissance est rattrapée. Que les années perdues sont rachetées au nom de Jésus. Je déclare que tu vas recommencer. Tu marches, tu parles, tu bouges au nom de Jésus. Le Dieu qui a créé le corps humain est puissant pour te restaurer. Je le confesse sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. 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 Vois. Au nom de Jésus. Donne-moi ta main. Sois délivré de tout esprit impur. Au nom de Jésus. Je chasse tout démon. Je chasse tout esprit. Je chasse tout esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Douleur au dos, articulations. Tu es guéri, maman. Pendant que je prie pour elle, tous ceux qui ont des douleurs au dos, articulations, ont reçu la guérison. AVC, vision floue. Cela n'est plus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Vous avez la fiche. C'est toi. Mets la main sur la tête. Comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est qui? C'est celle pour que j'ai prié là? Ok? Bien, viens ma fille. Tu as ta fiche? Vous n'êtes pas enregistré? Que la main du Seigneur soit sur toi. C'est quoi? Qu'est-ce que? Polyarthrite rhumatoïde. Que ce mal te quitte pour toujours. Au nom de Jésus. Et que tout soit rétabli en toi. Et que tout soit rétabli dans ton corps. Par la puissance de Dieu maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maladie, je te condamne, sors d'elle, maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois, 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 reçois. Reçois. Maintenant, levez les deux mains et recevez votre guérison. Reçois ta guérison. Soyez guéri. Tu te sens mieux dans ton corps. Tu te sens mieux dans ton corps. Je crois que lui, ça va, il est guéri. Il est délivré. C'est bon, mon frère, tu peux te lever. Lève-toi, ma fille, ça va. Tu es guéri. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Toi qui es en ligne, prends ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois le mal dans le ventre part. Le mal dans le dos part. Les fibromes disparaissent de ton ventre.
Il y avait une boule au milieu de ton dos, la boule a disparu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu avais un mal à la nuque, le mal disparaît par la puissance du nom de Jésus. Ta vision est en train de partir, elle est restaurée au nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Vous êtes guéri par la puissance, par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier aspect de cette guérison, ça a été les vents. L'Esprit a soufflé les quatre vents. Et dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour de Christ. Saint-Esprit, dirige-moi, conduis mes pas. Maintenant, vos deux mains levées, je vais recevoir l'Esprit. Le Saint-Esprit vient sur toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que ceux qui sont pas baptisés dans l'Esprit reçoivent le baptême. Que une vraie vie avec le Seigneur commence. Qu'une vraie vie chrétienne. Le feu de Dieu en toi, la grâce de Dieu en toi. Esprit du Seigneur, remplis-nous. Esprit du Seigneur, remplis tes enfants. Esprit du Seigneur, conduis tes enfants. Esprit du Seigneur, dirige-les. Que les vies de ces hommes et de ces femmes présentes ici soient transformées. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes personnes. Que leur vie soit totalement restaurée à cause de ta grâce. Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne sur toi, ma fille. Que le Saint-Esprit vienne sur toi, fils. Reçois la grâce. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Regarde, tu commences à prier en d'autres langues. Tu commences à l'adorer. L'onction de Dieu vient sur toi. L'Esprit du Seigneur te remplit. La puissance de Dieu est sur toi. Tu n'es plus la même personne. Ta vie est transformée. Restaurée par l'Esprit de Dieu. Restaurée par l'Esprit de Dieu. Restaurée par l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon... Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, en vous appuyant, en marchant par le Seigneur, votre esprit sera toujours vigoureux. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu étais béni ce soir? Acclame Jésus. Amen. Certains d'entre vous ont été guéris tout de suite là. D'autres vont voir leur guérison ou sortir à la maison ou dans la semaine. Mais parmi nous, ceux qui ont été guéris maintenant, est-ce que vous pouvez juste lever la main pendant qu'on a prié? Si vous avez senti votre guérison, levez la main pour dire merci à Jésus. Tu as été guéri. Maman, ça va mieux? Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu avais? Un micro. Qu'est-ce que tu avais? Tu sentais l'arthrose? Cataracte. Et puis glaucome. Attends, reprends, hein, pour qu'on entende. J'avais l'arthrose. Oui. Cataracte. Et glaucome. Mais maintenant, je ne porte plus les lunettes. Depuis la prière, tu vois mieux, tu ne portes plus les lunettes. Je viens ici il y a 5 mois au moins. Et ta vie est devenue? Ma vie. La nuit, je porte plus les verres. Alléluia. Aussi, attends. À la maison aussi? Je marche sans canne. Oh, tu marches avec les cannes. Ah, voilà ta canne même. À cause de? L'escalier. Ah, à cause des escaliers, tu prends la canne. Mais sinon, tu n'en as pas besoin. Non, à la maison, je marche sans. Alléluia. Et Jésus a fait quoi encore? Les yeux, tu marches sans canne. Tu te sens les bien? Les yeux, avant la nuit, c'est en me couchant que j'enlève les verres. Maintenant, le soleil, à cause de ça, je porte la journée. Mais la nuit, je ne porte pas les verres. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la santé qui est conservée. Amen. Quelqu'un aussi a accepté son miracle, il veut dire merci à Jésus. Tu as été guéri? Oui, ma fille là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Attends, le micro arrive à s'approcher de toi. Toi aussi, tu as levé la main, non? Mais tu n'es pas sûr.
C'était juste quoi? Tu as la paix. Oui, c'est un témoignage. On peut acclamer, elle a reçu la paix de Dieu. Qui a reçu la paix aussi? On a prié pour la paix. Qui a senti une paix le remplir, un calme? Tous ceux qui ont été guéris, qui ont senti la paix, levez la main. Alléluia, merci Jésus pour la paix. Amen. Oui. J'avais mal au dos, j'avais très très mal au dos depuis toute la journée d'aujourd'hui. Oui. Donc j'ai dit à ma soeur, je vais rentrer. Donc quand on priait tout à l'heure, je n'arrivais pas à m'arrêter. C'est vrai que je suis partie là-bas, je suis venue et je me suis assise. Donc quand vous étiez en train de prier, j'ai dit à ma fille, mets ta main. Et j'avais tellement mal, elle a mis sa main. Et tout à l'heure, je lui ai dit, tu sais que je n'ai plus mal. Que j'ai plus mal. Elle dit, t'es sûre? J'ai dit, je n'ai plus mal. La douleur est partie. Et elle est partie pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui a été guéri encore? Il y en a qui veulent bien tester. Tu as été guéri de quoi là-bas? Alléluia. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Parce que depuis mercredi, j'ai été attaquée. Je suis une servante de Dieu, je suis à l'école pastorale. Mais j'ai été attaquée par les esprits, ils ont envoûté l'argent, 5 000 pour me remettre. Mm-hmm. Et depuis mercredi, je suis troublée, je me suis coiffée, tout ça là. Et étant en nono, l'esprit de Dieu me dit de venir chez Sanogo, au du soir pour même dormir ici. Donc je ne savais pas comment faire, je dis, ah ça là, je ne peux pas venir chez le pasteur Sanogo, que je ne le connais pas. L'esprit de insister et j'ai pris le revoir, je suis venue, encore même les hommes de Dieu, tout ce monde de venir participer le culte. Non, tout à l'heure, l'esprit de Dieu m'a visité, j'ai été libérée de ces esprits-là. Et tu sais bien, alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Un dernier témoignage. Il y a plein qui ont des témoignages, mais qui sont restés assis. Ici, là, il y en a beaucoup qui ont eu des guérisons. Il faut dire merci à Jésus. Oui, ma soeur, ça va. Qu'est-ce que tu as eu? Lors d'un MS Life. Donc, toi, tu ne sais pas aujourd'hui, parce que ça continue. Ok, vas-y. Attends pas. Je me souviens d'une parole. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une parole de connaissance. Quelqu'un qui avait un kyste au poignet. C'était toi? Oui, c'était moi. Oui. Et le kyste était gros, je devais me faire opérer. Il était j'ai ici. Refusé, oui. C'est en train de partir. Vous avez dit que ça va partir au fur et à mesure. Le kyste est en train de partir. C'était énorme. Alléluia. Merci Jésus. Il disparaît totalement au nom de Jésus. Amen. Ok, on va s'arrêter là pour les témoignages. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui restaure. Et je sais que le Seigneur a visité plusieurs d'entre vous en ligne. Alors vous pouvez donner aussi témoignage. Envoyez-nous le mot témoignage. Envoyez votre témoignage à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour être reconnaissant à Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Et d'autres personnes, en écoutant votre témoignage, recevront elles aussi leur guérison. Amen, amen. Nous voulons dire merci au Seigneur par nos offrandes. Mais je vais donner l'occasion tout à l'heure à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. C'est Jésus qui donne l'espoir. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui efface les péchés. Beaucoup de maladies sont causées par le péché. Jésus est le chemin. Il faut t'attacher à Christ. Il ne faut pas venir simplement à ce culte pour être guéri. Mais viens pour rencontrer celui qui guérit. Sois en paix avec le guéri, celui qui a guéri. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a guéri. Donne-lui ta vie afin que tu ailles au ciel. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus? Si tu n'as pas encore accepté Jésus, je veux prier pour toi, afin que Jésus rentre dans ton cœur. Et tu seras baptisé, et tu seras sauvé. Si quelqu'un veut accepter Jésus, qu'il lève la main. Si tu veux dire, Jésus, je veux marcher avec toi, je veux quitter le péché, je veux te suivre, lève la main. Si tu veux suivre Jésus, toi qui as levé la main, tiens-toi debout. Si tu veux suivre Jésus, tiens-toi debout. Si tu veux marcher avec Jésus, tiens-toi debout. Si tu veux devenir chrétien, un vrai enfant de Dieu, toi qui t'es levé, venez devant. Il y a encore quelqu'un qui est assis, qui a besoin de Jésus. Ou bien tu me suis en ligne, tu veux Jésus. Je vais prier avec toi. Venez rapidement, venez. Alléluia. Alors je vais faire la prière avec nos amis qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et toi qui me suis en ligne, tu pourras répéter la prière avec moi. Venez, mes filles, venez. Tu veux donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne remets pas ça à demain. C'est maintenant que tu dois accepter le Christ. Toi qui me suis en ligne, c'est maintenant que tu dois accepter Jésus. Tu dois devenir un vrai chrétien. Tu dois marcher avec le Christ. Tu dois laisser le péché. Tu dois laisser Satan. Tu dois suivre Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu à partir de maintenant. Amen. Soyez bénis pour cette bonne décision que vous avez prise. Alors, Jésus, c'est très simple de l'accepter. Il faut juste dire, je crois en toi.
Je crois dans ta mort. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Seigneur. Amen. Donc je vais prier comme ça, vous allez répéter après moi. Et vous qui êtes en ligne, qui décidez de suivre Jésus, faites aussi cette prière avec moi. Ok? Et juste après avoir fait la prière avec moi, pour ceux qui sont en ligne, il y a une information qui s'affiche sur votre écran. Veuillez la suivre et remplir les renseignements. Et il y a des frères qui vont rentrer en contact avec vous. Amen. Alors frères et sœurs qui êtes là devant, et vous qui êtes en ligne, répétez la prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je te demande pardon pour ma vie passée. Pardon, car j'étais dans le péché. Mais je me tourne vers toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je crois en ta mort et en ta résurrection. Entre dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ses frères et sœurs. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que la vie de Dieu soit en toi. Que la vie de Dieu soit en toi. Que la vie de Dieu soit en vous. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ok. Vous pouvez vous rasseoir. Et tout de suite, on va recevoir les nouvelles personnes. Quand on va recevoir les nouveaux, je vais vous inviter. On va aller, on va vous recevoir à l'extérieur. Ok. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la parole et pour ce culte et pour tout ce qu'il nous a donné. Nous voulons lui apporter notre seconde offrande. Et dans ce panier d'offrandes, si quelqu'un a fait un vœu, c'est l'occasion pour lui aussi de les apporter au Seigneur. Ensemble, apportons nos offrandes et nos vœux et nos dîmes. Voilà. Et pendant ce temps, on va suivre les Good News.